Dernière série chez les Women, avec le bon départ de Thierry Dimitri et de Luan Juliera. Thierry Dimitri, la Byzantine a pris l'avantage. La Suisse, Luan Juliera en deuxième position. Et Caro Verstappen, la Belge, occupe la troisième place. Alors qu'en quatrième position, eh bien, on a tout simplement Anaïs Gant de Massy. Anaïs Gant qui devance pour Saint-Étienne, Marie Chantier. On a également Alena Renaud. C'est une autre Byzantine qu'on va retrouver pour la victoire. C'est Thierry Dimitri qui s'impose devant Luan Juliera et Caro Verstappen. Allez, les mêmes, les élites, sur la grille de départ avec le bon shot.
Yarin, le roll-shot de Clickbait. Allez, c'est bien sorti pour Sylvain André, bien sûr. Sylvain André, le vainqueur de la Coupe du Monde. Sylvain André qui a pris le meilleur départ avec un deuxième position. C'est lui d'ailleurs qui détient le meilleur temps roll-shot. Il déroule tranquillement Sylvain. Avec Mathieu Rossini en deuxième position, Hugo Roy à la troisième place, et également Benoît Cousselet. Tranquillement, il va dérouler jusqu'à la mise à Simon également, Nathanaël Simon va à la tête. Et la victoire qui va revenir à Mathieu Rossini, lui, ou Hugo Roy peut-être, Hugo Roy qui s'affronte. Alors qu'on libère la série 48 avec le All-Shot Pipe. On va suivre Baptiste Rago-Richard, c'est lui qui a pris le meilleur départ. Baptiste Rago-Richard en première position, Théodonote à la deuxième place. Et en troisième position, on retrouve Valentin Mibo, juste devant. Et puis avec sa plaque 63, et bien, il s'agit de Maxime Chouli. Alors quand tu souffles, c'est bien toujours Baptiste Rago-Richard, le plus de la en ce champion du monde, Faïn Pial, s'impose devant Théodonote. Et la série 49 avec Roberto Cristofoli, le pilote italien qui a pris l'avantage. Florian Corissier est en deuxième position, alors que pour la troisième place, elle s'attaque dans la sortie de ce premier virage avec notamment le pilote qui porte la plaque de retour, bien sûr, Tatiane Winston. Tatiane Winston en troisième position. Et puis Jules Chicot à la quatrième place pour Paulio Mandeur. Alors qu'on retrouve également Tony Convertini et Quintal Dantic. La victoire qui revient à Roberto Italien de la Pérouse. All-Shot Clickbite avec John Momo qui a le candidat sur All-Shot, le pilote suisse qui a fait une excellente première ligne droite. Jonathan Debout en première position donc. La deuxième place, on avait Route de Bouffrave, le pilote belge en deuxième position. La troisième place, et là pour illuminer le pilote de Melanton, Jonathan Debout, c'est parti, et direction la protection pour le pilote de la DN à Coutière. Il vient de reprendre d'ailleurs cette troisième place. Allez, on a libéré la série 51 avec Marc, bien sûr, le pilote Léton Parent, Maïmique Strasdin, pour le shot Clickbite. Il y avait le deuxième meilleur temps, Mikus Strasdin. Il est en première position, la deuxième place, Yann Burkhard, la troisième place pour Thomas Barocca, la quatrième place, Alexis Clair, Jean Côte qui est présent également avec le pilote de série Paul Miller. La victoire pour Mikus Strasdin qui s'impose devant le pilote de Suisse, bien sûr, Kylian Burkhard. All-Shot Clickbite avec le meilleur départ à l'actif de Loris Aberhart. Le pilote suisse en première position. Attention, on va bien plonger les intérieurs. Peut-être pour le compte Charles. Oui, c'est bien lui en deuxième position. Adrien Guillaume à la troisième place. Et puis Thibaut Chartier, le pilote de Malé Bougier en quatrième position. Alors qu'en tête de course, c'est toujours Loris Aberhart qui va aller remporter la victoire pour la deuxième place. Il me semble la troisième position d'Adrien Guillaume. Allez, le Clickbite avec Gilles Brunner. Gilles Brunner qui a pris le meilleur départ, le pilote suisse. Ah, très bien, on va dans cette première ligne droite. Alors que Cameron Porte, le pilote de Saint-Étienne en deuxième position, Jules Guillaume, le pilote de la DNB, Vice-Benanton pour la troisième place. Et Mathieu Colsonnet pour le Roubaix Métropole en quatrième position. On a retrouvé le leader, l'homme de tête, Jules Brunner, qui va aller remporter la victoire. Et
One shot Nikaïk avec Mathieu Jacquier. Mathieu Jacquier qui a été le plus efficace dans cette première ligne droite. Jérôme Wallwen pousse Saint-Étienne en deuxième position. Alors qu'à la troisième place, eh bien, on retrouve tout simplement le pilote qui porte la plaque 55, Quentin Girard. Allez, on shot, big bike, avec la Rai 55 qui tire au Kia, qui a fait cette meilleure ligne droite là, dans cette Rai 55, avec son jeune meneur, en deuxième position, alors qu'à la troisième place, c'est Tristan Borel, le pilote suisse, et puis à la quatrième place, avec son mec 23, Alexis Bonnet, bien sûr, allez, la série 56 avec le bon départ et peut-être le one shot Limac pour Alexandre Garret. Le pilote de Mezou qui a pris le meilleur départ en deuxième position. Est-ce que c'est Jean Dupas qu'on retrouve là dans l'Ouest à la troisième place? Est-ce qu'en deuxième position on va retrouver la plaque rouge de Gaëtan Grosdemange? Gaëtan Grosdemange en deuxième position derrière Alexandre Garret. La troisième place, on a mis Jean Dupas, on a également le pilote de Besançon Stéphane Degorce qui vient de s'emparer d'ailleurs de cette troisième. Allez, j'ai du mal à tourner les feuilles. Alors, pour le all shot, je n'ai pas vu qu'il s'est passé en tête dans la cellule entre Charlie Gaillard et Clément Chunk. C'est Clément Chunk qui est en première position là, sur la protection. La deuxième place de Charlie Gaillard. La troisième place de Romain Lenestromi à la lutte avec Aaron Beck, le pilote allemand. Aaron Beck qui va peut-être prendre la deuxième place de Chunk. Allez, la dernière série dans les manches qualificatives avec le bon départ d'Alexis Kuzma. Alexis Kuzma, le pilote de Saint-Etienne, m'en avait également. Peut-être le pilote de Besançon, Thomas Pepe, bien placé. Il est en deuxième position, Thomas Pepe. La troisième place avec sa plaque numéro 4, et bien c'est Alexis Mosset. Et puis également Alexis Abat pour la fouillouse qui est présent. Il nous manque Kylian Boutonvillain. Je n'ai pas vu Kylian, il n'a pas pris le départ apparemment. Et la victoire donc qui va revenir à Alexis Kuzma devant Thomas Pepe. Voilà, ça définit des manches significatives. Donc 15 minutes des huitièmes de finale.